Le 21 mars 2023, 80e jour de l'année, je dirais. Alors, le plaisir est pour nous de vous retrouver encore assez nombreux, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine TDBD, tout dur, bien dire, Awande, Tolobaka, Malam, Ope, Tolobaka, Nyonso. Donc, tout dire. Et puis, bien dire, vous êtes nombreux pour les comptes de votre magazine et vous nous suivez de partout. Cela nous va très droit au cœur. Nous vous disons merci infiniment pour votre fidélité à ces grands rendez-vous, n'est-ce pas? Un rendez-vous de tous les Quinois. Vous allez déjà ébeler là-bas téléphone, Nabino Bonoz est là. Déjà, la réalisation fait apparaître un numéro qui va vous permettre, n'est-ce pas, de réagir. Nous sommes en direct. Alors, c'est parti pour ce soir déjà. Au menu, nous allons vous signaler qu'il y a. En tout cas, plateuse à moi, héroïne d'Alelo, donc Torosolola, Torokotana moi, Mozindo, parce que vous allez découvrir, n'est-ce pas, les gens que vous avez l'habitude de redécouvrir, de pas émoussou, soumena, angle, mokobo, et tout, découvrir, makamboubele, nous allons parler de la technologie, la science et la technologie, également, nous parlerons de bâton Tissango, bâton Tissango, et tout redécouvrir ensemble avec vous, et c'est quoi, en fait, et pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui. Déjà, je m'en vais à présenter le tout premier invité qui est à ma gauche, l'ingénieur Moussafiri, Russie Moussafiri. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ingénieur génie en informatique, physicien en même temps, expert à IA. En intelligence artificielle. Ingénieur artificiel. Oui, madame Mouipanabisso, et également l'ingénieur Ngoto Lubwaku Regen. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, absolument. Excusez-moi, je rappelle que vous êtes informaticien en industriel, chercheur en nouvelles technologies en même temps, concepteur du tout premier ordinateur congolais, l'OPAD. Moudazala l'OPAD, donc, vous allez la porte à Obimao. Merci, Boye, Mala, vous n'avez pas la merci, Toyambi, également, à ma droite, l'astrophysicien maître. Avatar Jean-Pierre Manzolo, bonsoir. Bonsoir. Le plaisir est pour nous. Merci aussi pour l'invitation. Bonsoir aussi à Balandé. Très bien. Je rappelle que Badbamon a maître avocat aux titre. Je rappelle que vous êtes avocat, assistant des universités, économiste, ambassadeur de la paix en même temps, métaphysicien, physique, grand maître dans la science occulte et religion tradie. Badbamon a occulte, mais ça. Occulte Bando qui cache. Il a aussi car bas secret. Ah, ils ont un secret. Il a un secret. Ah, vous savez qui occulte. Ah, Kadiandoki. Ah, très bien. On en parlera. Alors, je vous donne l'occasion déjà de vous apprêter parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir. On va s'ouvrir un tour en parler à long et à large concernant le sujet de Bakia. Mais nous vous donnons l'occasion déjà d'entrer dans le bar de cette émission. La réalisation va nous proposer juste un élément transitoire, le temps pour nous de revenir et puis commencer l'émission avec déjà le thème science et la technologie et nous étions des bâtons du sango. C'est parti, on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'était Ndima, qui la soit ainsi avec l'artiste Lumino. Très bien. Alors, c'est parti. Déjà, il y a un numéro qui est là. Simplement le message. On va vous lire en direct. Alors, ça continue déjà avec le maître Avatar Manzolo, également l'ingénieur Moussafiri et l'ingénieur Rigen. Torbet Alissolo, il y a technologie actuellement. On aimerait savoir, Tobandinayo, maître Jean-Pierre, apport et à spiritualité de la technologie actuelle. Pensez-vous que c'est utile, c'est important? Premièrement, c'est ce que je veux et lors de nous, il y a un monde qui est humain, et il y a un monde qui est esprit. Et lors de nous, pour nous, c'est matérialisé. Il y a un monde qui est esprit. Donc, il y a un exemple. Il y a un micro. Ils ont une conception, ils savent maquiller. Conception, ils ont une pensée. Mouta pensée a créé chez ma micro. Téléphone, même. Bandak, même. Et Bandak, déjà, quand on a pensé. Alors que pensée, ils ont une dimension. Parce que Moutou a vivre un corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, christique. Jésus a dit, ce qui est au Talimoua, sur le Makantimabe, au Sali déjà, il y a un
Makanisi, ezali déjà monde. Alors, nene na technologie avant na nous bale créer likambo boye na monde physique et existe ka déjà na ba monde spirituel. Ce qui kuna ba sale yango, ye komi lokola démodé kuna, c'est alors si malango ba lukaka ba chercheur, tope ba étudiant, tope ba neno yo batoyo bazali na capacité à recevoir bah, les inspirations facilement. Ndesko yo yokomona mutafwanda ki azui idabino esengeli na créer eloko boye yokomarché boye a créer un peu boye e, nini ndio ya les simbi pona ye akanisi ezali makanti na ye mais ezali makanti na ete e wuti na monde ya ba esprit. Est-ce que yoyebi pona nini bato nini bale univers cité ya kala babanda ki otongango likola bangomba. Pour nini likola bangomba parce que nini na univers toi li zali na quatre éléments tous les quatre éléments on a ezali habité moto mapepe mabele na mai siko na mo pepe et ezali na ba yetre moko ba fanda kuna ba bengi bango ba self parce que moi le pepe na nzoto na biso et facilitera intelligence spiritualité concentration alors ba les sil si le fiwana bafanda kana bangomba ba le facilitaka compréhension ya ba matière ya bato balingi ba méditer tope ba le ya prendre ba nouvelle matière c'est pourquoi ba ancien ba banaki tonga ba église mingi monastère na bangomba na ba univers c'était na bangomba pona ko aller faciliter ba le yetidia connexion na ba s'il faut ba ro tsa ba na connexion soit na ba extraterrestre tope na ba ange ba ko pesa bango ba technologie ba bwaka ngona ba univers parallèle alors technologie oyo biso to ale salelaka et nzali lokola ba technologie moko demodé ya monde spirituel magie ezali technologie kindoki ezali technologie kindoki na biso africa ezali technologie technologie ko ya bato alors su ah yuka sikote technologie nyo ezaka na deux phases e koko boma et qu'on peut aller payer sa vie. Courant, yo, et alors, si on a bien sûr, mais, on a cotisé mon sapeur-prise dans le courant. C'était dans le courant. Il y a beaucoup fait, quand les mêmes courants, yo. Question, c'est la science avec conscience. Parce que, et c'est ce que je veux dire, exemple, phénomène, il y a un limo. Il y a un limo, non? Ouais, ouais. Mais, minute, on a Suisse, ça, il y a une recherche, comment alors, ça, il y a un bon quantique. Comment alors bakoki o limusa eloko wana machine et bimi côté mususu. N'est-ce pas que téléphone o yavana no bima bandoki babanaki o sale la déjà téléphone, y internet ça ba tablette avant et sale ma bakoko na biso na bassin déjà babanaki kota la bato. Si manango ba transférer ango tango ba sale li ango kuna ba baye, c'est pourquoi biso suko koto toko créango. Donc ezali na kindoki o kilso yo ba bingango spiritu. Eh nini yo technologie yo kilt ba bingango spiritualité. Na alors technologie kilt oyo ba bingango nouvelle technologie alors que ezali archaïque et alors que ezali archaïque je vous rappelle que nous appelez pas ba bazabo zelo loba ba ba nous bien déjà écrivez nous simplement introduction tous aux banana très bien alors maître Jean-Pierre Nazo kota na ngambo mususu il m'a quand même dit que comprendre que donc technologie spiritualité est un apport mingi na kati ya ya technologie. Alors ce qui sengeli na y employé ba mon nga sec donc na lobaki spiritualité za raté kindo ke za raté ezali juste ba technologie mou tezali. Exemple ba démon est-ce que oyebi bi ba démon na technologie ezanine ezali ba mauvaise vibration. Ezali na cour moko na li pesaka bon ba livre na ngo pe na poto pe ezali ba binga ngo géobiologie. Cour wana ezali na ba machine ya ko détecter pona nini na kata ndako yo ba client bazo yate. Vibration nini yo ezali awa ezali okimisa ba client. Ezali na ba machine ya ko détecter pona nini na place oyo batu bakufa ka tope ba yaksidé sale maka mingi na rompe ba machine wana ba appareil ndeti nini ba le appareil ezali na ba appareil ya misusu pona ko ale détecter ba son alors ya ba entité parce que ezali juste ba vibration parce que nini sale maka ezali na ba ndako misusu mutakufi
mais mutuana abimara bimaka. Oh non, chaque jour tout le monde a mutu peut-être na bokasa nene yakati ya prince ya memi mwana banda alors il y a accident et salema wana maman moka memi mwana tout le monde a mutu mwana likamo nana alors que il y a les ali mutuana te les ali séquence ya enregistrement ya événement wana et salema na place wana les ali ko se reproduire grâce à géobiologie donc au détecter yango na ba machine si malango to aller dissoudre ngo alors nene na kati ya nzoto ya mutu ezali na nene na des sortes ya ba microbes microbes ba protéger nzoto na ba microbes ba détruire la santé ba alors oyo ba les protéger nzoto ba bing ba ba nene ba ba ange non bah ange gardien non oui. Bah salut au protégeur alors bah les virus bah voyez pour nous aller détruire bah salut bah les démons non bah, donc bah mon kaka mutu est chanzaka donc okay. Là les technologies et la spiritualité et vibrent quand même longueur guerre d'onde alors ceux okay. Qui ce qu'on doit les rejeter spiritualité bon les tikali karana technologie et salut on dirait yo au mesana kolia Thompson et Sengeli mutu nangwe zala o sepelarana mutu ya Thompson o sengi madame non mama lambelaka Thompson ya alors alongola kaka mitu ou pona etika la lokola ba les sardines c'est vrai que yo zala ya satisfait même à ton lié nzoto ya Thompson donc spiritualité ezali lokola soubassement ya technologie tous les meilleurs inventeurs ya monde depuis quand bazaki ba homme mystique tope ba homme spirituel. Parce que jamais l'homme beaucoup qui a créé et l'homme qu'on a mondé, ceux qui au côté la connexion conscient, topé inconscient, n'a pas extraterrestre, topé n'a pas intraterrestre. Très bien, je crois que c'est très profond. Alors, vous partagez le même avis avec Maître Jean-Pierre par rapport à la spiritualité et la technologie. Et ça important. Selon Nakoyoka, Maître Jean-Pierre, ça prouve que ça prend la place à Liboso. Donc, Yangonde na d'abord. Donc, le lien entre la spiritualité et la technologie. Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. Je pense que je suis sur ces plateaux en tant que scientifique. Je vais m'efforcer de poursuivre une analyse dans une dimension scientifique, mais nous allons également nous efforcer à être bilingues. Dans les cerveaux d'un scientifique, l'univers dans lequel nous habitons est considéré comme un ensemble d'informations géré par les lois et principes que les cerveaux humains peuvent comprendre. Alors, il existe maintenant des phénomènes qui se créent dans l'univers qui sont déjà compris. Il existe également d'autres phénomènes que le cerveau humain n'a pas encore compris. Et cela crée des degrés de recherche dans le domaine de la science. Le premier niveau de recherche, c'est ce que nous appelons la science. La science, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous pouvons expliquer, de tout ce que nous pouvons comprendre et communiquer. C'est ce que nous appelons la science. Par exemple, lorsqu'il plaît, nous pouvons scientifiquement expliquer cela, qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse pleuvoir. Ça, c'est la science. Le deuxième niveau, c'est ce que nous appelons la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est juste les applications de recherche scientifique. Lorsque les scientifiques font des expérimentations de recherche, les ingénieurs, les techniciens récupèrent ces applications et les appliquent dans un domaine donné. Nous appelons cela la technologie. Le troisième et dernier niveau, c'est ce niveau-là où tout est encore incompris. C'est le niveau où les choses ne sont pas encore expliquées, les phénomènes ne sont pas encore expliqués. C'est ce qu'on appelle en science la métaphysique. Alors, nous appelons ça métaphysique, le religieux l'appelle spiritualité ou mystique. Dans les cerveaux des scientifiques, la spiritualité n'existe pas. Mais ce sont des phénomènes que les cerveaux humains n'ont pas encore compris, mais en faisant des recherches, ça peut être compris. Donc, c'est ce qui se fait que, avant qu'il y ait application technologique, cette connaissance commence d'abord au niveau métaphysique. Ça veut dire au niveau incompris.
au niveau invisible. Mm-hmm. Il y a des spécialistes dans ces domaines, tels que tel maître avatar, qui travaillent dans ces domaines de pouvoir rechercher ce que le cerveau humain n'a pas encore compris. Une fois compris par le cerveau humain, les scientifiques peuvent les expérimenter et les ingénieurs peuvent les appliquer. Donc, nous pouvons conclure qu'il existe réellement un impact, un lien direct entre ces trois dimensions que vous, vous avez appelées spiritualité et moi, j'appelle métaphysique. Donc, si nous pouvons un peu l'expliquer à Lingala, donc, réellement, lien ezali ou impact direct ezali entre otozobengalelo technologie ezali nini ezali juste ba application ya ba recherche ya ba expérimentation scientifique mais ba scientifique bazwaka ba information wapi bazwango na bazwaka ba information na niveau moko inconnu na niveau ba benga niveau métaphysique pour que ezala transformer une fois cerveau humain à comprendre ngo et comme science et l'homme spirituel, et l'homme mystique, et l'homme métaphysique, et comme science. Science, c'est l'ingoloba, ensemble, il y a ma connaissance, il y a ma coquille pour apprendre, il y a ma coquille pour expérimenter, ma coquille pour transmettre facilement par bateau. Ah. Et ce qui est comme expérimenter, et qui va appliquer dans le domaine, il y a un domaine de la spiritualité, il va appliquer dans le domaine médical, et plutôt technologie médicale, si vous appliquez un domaine politique et comme technologie appliquée à la politique et ainsi de suite. Très bien. Nuance, vous pouvez vraiment expliquer rapidement. Vous partagez cet avis, ingénieur Russie, par rapport à la technologie et spiritualité. Oui, je partage le même avis. Il y a vraiment un lien qui existe entre la spiritualité et la technologie. Comme le maître avatar venait de le dire tout de suite. Avant Moutoazwa, idée a créé téléphone. Moutoazwa qui déjà idée au niveau il y a imagination. L'être humain a recevoir imagination comme étant impulsion électromagnétique. Cerveau n'abisso a capté un go et tant qu'on comprendre un go et cause à projet tout idée à cause à téléphone et à quoi l'impulsion électromagnétique au niveau y a Moutou. Mais et généralement bato bazo le baraka. Déjà mon coach n'a pas d'image on a fait du monde marambo faux sur la biche parce que kindo qui caca mon talo bagarre ça est un homme sur le chrétien nous on est là pour la moutou n'a vas-y oui quand vous allez recevoir cette idée comme étant une impulsion électromagnétique ça vient par exemple d'un univers que tu ne comprends pas des fois naturel et lorsque tu vas les matérialiser ça devient une technologie en deuxième position je prends l'exemple des Silicon Valley par exemple aux États-Unis qui accueillent des grandes startups comme Facebook, Apple, qui créent de grandes technologies avancées aujourd'hui et qui cartonnent. Parce que vous savez qu'à la Silicon Valley, ils ont des spécialistes pour seulement qui s'occupent de l'intelligence informatique. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des téléphones, par exemple, avancés en intelligence artificielle, les iPhones, le Mac, ainsi vous avez des appareils sophistiqués que ces startups sont en train de créer. Mais si on est en RDC, vous avez le maître avatar qui est là, qui est expert en spiritualité. Ce sont des personnes qu'il faut exploiter pour amener des grandes technologies dans notre pays. Très bien. Alors, maître avatar, parce que comment congolais, parce que c'est impossible était déjà, l'impossible est possible, nous félicitons déjà, courage, il y a créé ordinateur congolais, l'OPAD, l'Ambouga Nabiso, mais pourquoi demande l'image, ceux qui sont en train de contact, ils ont abondé. Premièrement, il y a dit que les Moutoumouindou, Azalaka, Mener avant. Alors, tant que la tendance est basse, alors Mindele Bazouaki principe principe yako à Britur Biso. Et c'est un gars qui doit aller comme tellement Bazoba. Parce que c'est un gars qui connaît Bakekala, Mindele n'y a pas banaki aux Zoba cours en Égypte. Babanaki aux Zoba cours en Afrique. Ba cours wana ezaki kaka ba conjugaison terre, ezaki kaka kosala bilanga terre, ezaki ba cours moko métaphysique.
parce que technologie na biso ezalaki déjà parce que monde na époque moko to banako sale la ba téléphone oté to banako osolo la par télépathie ezalaki na ba téléphone incorporé na cerveau okay. Donc monde e wuta ki boye e kiti boye to banisko ko ale mata pour na biso to ale nkanisi ke ba koko na biso bazalaki sous-développé té bazala qui plus développé balé arrière et qu'on a biso bazala qui plus alors est développé connaissance ça na bazala qui na alors tant que yo mindele bazui domination à monde ba lobi bon chaque couro bango esengeli bazwa esengeli kwale longolaka partie à misisa la même chose ndé konanga yo ali zali na corps âme esprit chaque cours mathématiques médecine au droit, au nil, ils ont la cana, trois leurs parties. Ils ont la partie dans la physique, ils ont la partie dans la âme, ils ont la partie dans l'esprit. Tous les locaux la couro ya physique. Ils ont la partie au kit ya physique. Bah bien en physique quantique. Ok. Physique quantique, ils ont qui couro yo, ils sont là qui battent en ista. Et c'est là qui bat sang na nene faculté à polytechnique na unikin et c'est là qui nene balé étudiant ba yé ko la physique quantique parce que grâce à physique quantique beaucoup que fabriquer vaisseau et matière dans l'espace nene grâce à physique quantique beaucoup que quoi les calculer que non to ko ki otinda mutu na sanza ya ko respirer na Congo wa grâce à courwana physique et quantique spiritualité na leur technologie et komaka yeloko moko wana na la physique ezali lokola na médecine ezali na médecine occult ezali na anatomie occult et bakoko na biso bazwaka maladie atiango na nyama maladie atiango na nzete mais na fui na faculté à médecine baza na département mon côté ya ko étudier phénomène social wana comment bakoko na biso bazwaka ba maladi na ba village atiango na nzete atiango na nyama alors que ya les ali moko ya ba sorte ya ba médecine au kit chimie eza na partie nango au kit ya chimie alors tellement que ba les depuis biso donc ya les ali voilà mapa ya carré ba longoli misuli na kati ba les servir bino kaka ba poso ya map biso ba africain ba pesa biso kaka ba poso ya pamba alors ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut réfléchir, qu'on a eu l'Africain, qu'on a eu l'Africain, qu'on a eu. Alors que la peur, elle a dit l'ignorance. Elle a dit pourquoi elle a dit l'ignorance. Elle a dit parce qu'elle a dit l'ignorance. L'ignorance est l'ignorance. Alors, quand on a eu l'ignorance, on a créé une situation d'insécurité pour créer la lumière. Ok. Alors, maître Avatar, comment faire aussi, il y a aussi l'imbissa pour la catio. Cerveau moutou, ils en a trois parties. Ils en a super conscience, ils en a subconscient, ils en a conscience. Conscience ils en a. Ni on soit au yebisiko yo, même question yo lingi otuna. Et fondi la conscience na yo. Combo à madame na yo, et fondi la conscience na yo. Combo à patron à chaîne, et fondi la conscience. Alors, nous sommes yoko, bosana, tangu yale, zalaki bébé, et fondi la subconscient na yo. Alors, si yo, nous sommes nanu oyebite, mémoire yanzambe na katia mémoire na yo, ma ben angi yango, super conscience. Alors, moutou azali voué, yako koma ko ale. Accéder à la totalité à subconscient na ye nyoso ya bosana si banango ako y accéder à la superconscient ceux qui a y accéder à la superconscient ezan la mémoire moko beta kaka na Google ke non mémoire akashique ezarana katia mutu mémoire wana ezali na ba technique scientifique spirituelle okoki koyeba nyoso yo olingi koyeba grâce ya utilisation ya mémoire akashique oyo ezali li bibliothèque et ezali na ba connaissance nyoso olingi koyeba kuna yokoki kolegisa 3 minutes na monde na biso ezali on dirait 5 ans ya connaissance. Ah bon, très bien, c'est trop profond. Alors tout au compte tout au pousse na malembe malembe vous donnez les idées ba piste de solution vous donnez en fait le cours tout bien en gros pour comprendre en fait la technologie son apport la spiritualité. Alors
Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour développer notre pays grâce à la technologie, renforcer parce que renforcer la frontière, renforcer. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que la technologie est bien importante. Oui, mais les lona ingénieur en gros, on a ingénieur ici. Toi les kinda qui na yista, kota la professeur donc Yedo Mbaya. Il y a l'exhibition babiloko déjà bango ba les créer mais financement exacté l'état qui paraté comme monteur ils allaient quoi les salles na mo pepe plus loin koutou musika awa devant bino ils en a neno ba ingénieur mi balé ingénieur réussi à sali logette intelligent il y a coco régularisé courant nanda ko yango moko automatiquement à ça la rappel alors les robots bas aller bouger il y a rien ne bas robots bas au tambour bas au filmer bas tout à ça la peine bas robots alors nan des ingénieurs nerengoto à ça leur fabriquer bas ordinateur bas bilogo misusu ebele ebele et ça lina bas misusu kuto bas batami misusu kuto na monaki nene ya créé motuka atie ba machine kaka na motu grâce à penser na eminda motuka e pela ezala mouta robenga wana imaginez ce que Congo ezali alors na ba matière grise oyo ezali na ba cerveau ya bato à part wana nano côté nano ya ba bokoko nano chaque culture na biso azali na formule mystique ekolo mususu ba koma ba lion mususu babwaka kabakake misusu batinda kabanzoi misusu bakomisaka mboka zamba mais bokoko ya village wana alingite mutu ya ekolo yo yale yeba alors nini esengeli ko ale sala pona ko faire développer mboka na biso to ale komaki projet moko projet wana ezaki na bit ezalaki un ya ko transformer tous les formules métaphysique, bon, soit mystique, il y a comme ma technologie. Ce qui kokoyo a comme à Lyon, grâce à l'agence Wana, l'État a bengisi, a dit bon papa, pese biso formule Wana pour nato aller yar nene yar chivango. Parce que lobby a koko koufa, connaissance Wana yako kende. Il y a comment l'évolution est là. Tous les gens bombi. Côté Ononga, l'heure est à Yébikake, et ça rend une pèse à formule. À Pessi, l'État a pèse à Tamoua, médaille, honneur, tout, tout, tout. Après, la formule est là. Tu as bien à ce qu'on a physicien, chimiste. Comment est-ce qu'on a allé, y étudie en gros pour nous aller, comme il s'en technologie. Alors, il y a un servir, dans la nouvelle arme, côté à sécurité. Imaginez que l'Éthiopie est là colonisée te pour nani. Babana koti na bankosi na ba guerre. Babana ki koti na banzoi na ba guerre. Biswa wana Congo. Ezali na ba village ba koko wana bazala ba formule mais a koti ke lango nani parce que batinyo so no au nom de Jésus. Mais Moïse. Ah oui, biso au nom de Jésus. Il y a ça ba démonstration non? Ezali ki boko koti hein? Moïse a sala ba démonstration les biple ezaki ba démonstration Jésus a beta ba tuki ni ba tango yo balinga ki ba le bo ka ya besima ki ni ba Jésus a eba ki osolo la na monde ya batu ba kufa ezali ba technologie alors grâce ya agence wana plus tard to linga ki to aller créer ba structure yo et linga ki permettre même guerre wana ya est et linga ki ici là parce que imaginez minute yo to aller nous aller na projet moko ya ko créer machine pour la voile, dans la maille. Message au maille, il y a message au maille, il y a bimisa. Et puis donc, faciliter la guérison. Donc, exemple, au meli maille, au tiki en gros car en affaire, tu y en a bas électrode, tu as les tiers, et bimisa, il y a un secret dans l'union sur la vie sans que l'on l'oba. N'y a pas au salon la vie, et bimisa. Parce que maille, il y a un moko. Et zwa kaba information mai ezali mémoire wana eba inango okoko beta même na internet mémoire de l'eau parce que mabe ba kongole eloko na na se yango recherche ta zali komona kindoki la mémoire de l'eau a toujours existé déjà ba trouva kango nini ye pa ya japonais moko chercheur mais ce que biso to lingi ko ali mettre ngo en application grâce à la technologie ana tokoki ko ali tant qu'il y a formation dans maï, plus le même qu'on allait fabriquer ma bombe, il y a ma casse grâce à l'isolation, il y a hydrogène, dans l'oxygène. Et ça, c'est très profond, ma gambo, je le mettre en tout cas. Moi, je me dirais que va te parler d'abusson à Bokebi Mingi parce que c'est ça devient très lourd, en tout cas.
makaniso wana tokozonga nango tokozonga nango sutolo ko bana yo melengi tozwa likambo ya technologie tokozwa secret tokozwa pe nani bon secret tantuna kiyo makambo ya comment ba rosa la pona ba possible ba element wana eh alors nene pona alors guerre ici là isengeli tamba ozwa yo pose mo konza mboka zuyo lo kali boso po yo pese biso makanisa moje comment ma ba secret zele le na projet wana Naboule qui na Congo beuz télévision une fois deux fois au moins un téléphone est sonné. Ah très bien. Alors tout bête le solo ya tout chapeau tout bête le solo ya bâton d'Isango. OK. Bâton d'Isango to kozana no to olimbo la biso na no to yeba. Je crois qu'à la régie Marc va nous illustrer les images. To yeba na no ba mona oh c'est bâton et puis voilà et ou takiwa puis je crois que na pas mettre toujours ou à part ingénieur Regan. Alors, d'abord, bâton du Shango. Ezali Nini et Utaki Wapi. Et puis, tu as un peu de détails. Na 1950, il y a un groupe des archéologues qui ont fait la recherche na zone où tu as un Shango. Zone wana Ezali située entre la République démocratique du Congo na Ouganda. Précisément, na Nord Kivu, près à lac Édouard, na Beni. Okay. Wanande, ba scientifique, ba découvraka, miku wa wanami balé oyoto projecté. Alors, tango ba mouni yango, jusque là, ba yabi ko identifié te miku wanezali, réellement ya Nyamanini. D'après ma recherche, dans Bango Balobi, Ezali, il y a un mammifère, mais de nature inconnue. Mais, Miku Awane, il y a un mystère rebelle. Ou peut-être, tout ça, il y a un temps, il y a un temps, il y a un sauté. Alors, tant que tu as étudié, qu'est-ce qui est très remarquable, visiblement, dans Miku Awane, Ezali, j'ai arithmétique. Le sauté, dans Miku Awane, Mibale, Ezali, il y a un jet arithmétique et il y a des équations scientifiques. Netango voilà na mikuwa wana. Netango ba étudier yango ba ko comprendre que ezali mikuwa o ezo ko dater près de 25 000 ans. Donc près de 250 siècles. Donc mukolo a Jésus. Ba koko na biso a wana RDC ba bandaki déjà ko exploiter mathématiques. Ne ba conclusion scientifique ba yaki ko conclure ba yaki ko comprendre que le mathématique son nœud en République démocratique du Congo. Donc, ça fait plus de 250 siècles. Oyo, bako konabiso, ba maîtrisaka déjà manipulation, il y a tout ce qui est arithmétique, explication mathématique, ne banda ko travailler yango na ba mikuwa wana. Et actuellement, ba mikuwa yango ezali na na musée culturel ya Belgique, mais pour des raisons pour des raisons démonstratives, pour des raisons d'exposition, parce que Zali, artefacts, Zali, très riches et vraiment un impact sur le plan historique, scientifique et même spirituel. Alors, balakisaka o babengaka bâton d'Ishango. Donc o babengango os d'Ishango, mais o ba présenta kezalaka nzete o ezo répondre même configuration na oyo. Nzete ndetcho. Parce que ba os wane ba c'est des os sont dans un musée et tant balakisaka ba tout pour des raisons didactiques, pédagogiques, balakisaka nde bâton d'Ishango. Voilà pourquoi sokotali na ba documents, internet partout, on parle de, parfois de l'os d'Ishango. Ou du bâton d'Ishango. Ils allaient réellement os, mais pour des raisons d'exposition, représentaient un mot sous forme de bâton de Balakisaka. Et puis on parle également du serment d'Ishango. Donc,
bâton du chango na et bota serment du chango. Serment du chango, vous allez le voir, serment d'Hippocrate. Okay. Ou bah scientifique nyonso, ou bah ça la recherche dans le domaine de la mathématique, dans le domaine numérique, bah signaka serment du chango na pona kolobake, bah recherche na biso et que vous allez pona ko construire et non pona ko détruire. Mais si kawa mon amboka ingénieur Rigen makanisho aujourd'hui ni n'yango inspiré bino hein le longo na maître avata parce que ba recherche na ba scientifique ya maître avata donc il na bino moi musika bouke ko découvrir ngo si kawa ou découvrir ngo démarche zali ya ko ramener ngo na mboka. Oui, biso en tant que ba scientifique, en tant que ba ingénieur, toujours ça là tout ce qu'il faut pour la participation na biso na mboka. Mais pour nous ramener bah bien archéologique wana a na mboka na biso et ali na niveau na biso té et ali démarche encore politique. Alors biso na cadre ya ba recherche ndé tozala ki contacter na l'un de grands scientifiques, c'est un astronaute belge na kombo ya Vladimir Plester. Lui collabore avec nous parce que bazali parmi bato ba étudia ki mikuwa wana. D'ailleurs c'est lui qui nous a révélé existence ya mikuwa wana. Tant qu'à Monique, tu as vraiment la volonté à quoi apprendre, à quoi ça la recherche scientifique. Parce que apport, il y a un manin n'amboka, il y a un peu en fait. Ce qui est le bonjour pour occasion à participer, place il y a un ezali na ba conférence, na ba ou encore bonjour ce qui bâton et y est à ta, admettons que tu as un fort, ba qu'on n'amboka ba pouye que pouye. Ça peut nous rapporter quoi en fait? D'abord, sur le plan historique, ezali honneur pour l'Afrique, honneur pour le Congo. Il y a des bananes qui sont mathématiques, astrologie, sciences et belles, et bandela à la RDC. Donc pour des raisons historiques, d'abord, on a évité ceux qui comprennent l'impact. Okay. Et pour des raisons scientifiques, beaucoup wana et zobomba, secrets scientifiques et belles. Et qui permettre à Nambo Cannabis de continuer à exploiter Yango et sur le plan scientifique. Et sur le plan métaphysique ou spirituel, si vous voulez, ils appellent un mystère ébélé ou ils ont ignoré. Alors, Koko est en contact Nango et qui permettre à Bisso de comprendre le mystère ou Koko Cannabis de exploiter tout autour de Yamukua. Bino Mugande, Bogosa et Lango, apparemment, ils ont. Bloc na binou gara na maître avatar parce que ce qui bâtit va moyer à part binou gande pour s'accaparer dans mon ingénieur normalement parce que cet os de chango ils ont la vertu vraiment ébélé. Alors vraiment il faut que ça il faut qu'ils ont à Wana Congo pour étudier tout ce qui est scientifique avec et même plus loin la technologie avec ça parce qu'on peut même utiliser des appareils hautement avancés pour détecter et voir tout ce qui se trouve sur cet os là. Mais Même question, maître. Surtout aussi, côté ingénieur, parce que voilà. Derrière, donc, derrière chaque art, ils allaient dans l'enseignement mobimba et les kakana. Grâce à l'art, beaucoup qui koye babatoana ba vivre qui ndenge nini, et maïel na bango za qui ndenge nini, babana qui ko vivre ndenge nini, nini comment alors nene basa qui développer parce que. Kala, il y a les gens qui ont continué à exister, qui ont existé, et les gens qui parmi les continents, ils ont continué à continent Atlantide, na leur continent Misusu. Il y a les Bunga Bunga, continent Atlantide et Bunga, continent Mou et Bunga. Et ça qui alors na ba extraterrestre.
donc bateau babana qui offrent dans la planète misusu babana qui il y a na Kerry Afrique Congo non babana qui peut qu'il y a perlo na Congo babana qui au sala ba yes expérience d'abord na Congo babana qui au sala ba yes expérience d'abord na Égypte le quoi là ba tombo et balo bagaya ba pharaon normalement pyramide des araba Mali tombo te tombo amoune ne bongo ye osani normalement donc normalement zali ba laboratoire ya ba extraterrestre ba banaki o coopéré na ba humain ezali ba secret archivé alors miku ya boye lokola los di chango c'est vrai to koko linga ezonga mais to batela ngo wapi to ko sa ba tiana musée ape bo tiana musée kuna lo batango ka na musée te ba bomba ngo côté moko secrète mais bâton di chango donc exemplaire na ngo nde alors batango na musée alors bango lo ba bomba ngo côté moko secrète to parce que na neno yo na chaque pays bazala kapé na département oyo ekipaka ba phénomène occult ya mboka parce que ezate na le Afrique ba paye belé ezate ya part na Maroc e kozala na Tunisie e kozala pelore na lobi ke ekoki kozala mené na ba mboka lokola na ba États-Unis ezana na ba zone 51 ezali na ba projet c'est target na ba Chine parce que supposons tokoki mona elima moko abimi na mayawa topé pe mami watamoko abimi na mai to robenga ba chinois ba zoyé ba benga msu ba chef continue ba chef continue ko te mindele moto ba ko zoyé to pe to pa lore ba to ba ko bambe ba mabanga pona ya kufa alors que peut-être ancêtre na bino ye wana moto ba kei na ye azali na ba secret e belé pona développement ya mboka na bino alors lance de chambre nini neno yo di chango wana ye ko permettre na ba chercheur na biso bale ye ba soki oswana parce que mundele alobi bien que moko wana ezali de nature mammifère inconnu mais veni que ekokoza la paix ye extraterrestre ezala ki moko wa moko ewutaki na planète yote alors soki ezongi awato ale sali ba recherche que non ezali de nature ye extraterrestre bale moko question ye kokoma mle ah donc ba ye extraterrestre bazalaka alors babana ki okota na contact na ba koko na biso ndenge nini parce que nga lore nakutana na moine moko tibétain ya mundele alobana nga bi Jean-Pierre oyebi nini na Congo wana parce que azaki correspondant na nga neno yo yalobi ezali na maître na biso moko akendaka na est kuna lor na est ezali na portail moko invisible ezali na monde mususu ezaka na kati ya Congo oyo ezali plus alors développé ezali ba top secret parce que na monde ezali aussi na Agartha betaka Agartha ezali na ouverture moko côté à pôle nord ya ba monde mususu e batama mais soki o lobby yango batu ba ko mono libo mais sengende batu nde basala nde ba les recherches alors oswana soki ezongi premièrement batunyo so basela la ka mathématique na mokili esengeli ba tinda ka mbongo na kesi na biso po na droit l'heure et docteur quand même ya ndenge e bima na mabela biso veni ke bakoko na biso mutu bayeba ki mathématique mathématique e banana na Congo au moins d'abord financièrement tozala gratifié deuxièmement sur le plan technologie alors ye ko attirer par leur ba touriste extérieur ba chercheur pour na ba aller approfondir ba recherche mais oswana eko fonda na nda kwa motote na le musée hôtel et sengeli ezala na centre oyo ba ko préparer place au biloko nyoso mystique eko ke ofonda biloko nyoso ba tsaka ngona musée te l'art parle l'art vibre oyebi nini film oyo basali ya Black Panther wana oyebi tango e balalisaka Black Panther balesi matiti moko boye esali ke a voyager na monde ya ancêtre alors na Gabon esali na matiti moko babenga ngo Iboga Iboga wana soki alo balelesi yo yango yeko créer vibration moko na cerveau esali yo lokola kwiti yokoki o mona mutu nyoso akufa olingi o mona tope y extraterrestre yobo bimisa bale information mais bizarrement yiboga wana na sali commande na wana Gabon balobi non ke bimaka libanda gabote sauf ba américain mutu bazwa kango po na ekende Amérique et koki ko bima libanda gabote sauf ke nende na Amérique alors yokomona connaissance na biso moko biloko na biso moko bale américain bazalo sel ngo bakomi ba grande puissance mais biso pona nini
toi les allo kokate ezan na ba structure métaphysique nini métaphysique te lorsque nous parlons de métaphysique ezali li kambo ba demoté ezali li kambo yako yetidie ba phénomène yoso ezali ko échapper na intellect inférieur parce que ezan na deux sortes d'intellect intellect supérieur oyo ezali divin na intellect inférieur oyo to aller ko la na classe ozomonde. Donc, les biloko sont très importants. Écoute, les biloko sont très importants. Mais nous sommes dans la zone, c'est la biso. Ceux qui sont dans la zone, c'est la zone. Voilà ma photocopie. Photocopie. Alors, très bien. En tout cas, les biloko sont grâce à cette spiritualité, grâce à cette spiritualité technologique, des saliques, la recherche scientifique. Mais ça, c'est ce qui est bandeko, c'est la biso et loco. En deux mots, tout bas, au bas qui est allonge. Logette intelligente. Logette intelligente. Logette intelligente. Intelligente. Mais dans le monde, on a chaque lopang où ça a. Chaque lopang où ça a logette na bango. Voilà. Est-ce que portable, logette portable. Oui, ça a juste miniaturisé. Rôle dans vos années. Bon. Rôle dans vos années. Ça, j'ai nommé ça Box Genesis V1. Et ça, c'est une logette intelligente, mais six fonctions. Première fonction, il y a un anime. Le lieu de l'entreprise est belé. Tout ça, on a un inverseur de source automatique. C'est-à-dire, vous avez un groupe électrogène, vous avez une source d'électricité. Ce qui est, qu'est-ce qui se passe manuellement, non? Si on a un groupe électrogène et démarré. Mais appareil, dès que le courant est, a redémarré le groupe automatiquement. Après, c'est un passage d'électricité. On a créé. Je suis là devant. Mais c'est quoi, moi, j'appelle ça mécanisme. Car ma recherche, car mettre la bataille dans la problème. Je n'ai même pas encore fini. C'est multifonction. Deuxième fonction dans les années. Nandako, tout ça, il y a un peu de simba courant, il y a un peu. Mais comment on n'arrive pas à créer un appareil ou une technologie permettant d'éviter tout cela? C'est moi, la simbi courant, mais à Koufi. À Koufi, comment? Mais avec cet appareil, il y a la possibilité, ce que simbi courant, il y a un kati, au Koufate. Mais je vous dis la vérité. Tika boy, papa. Il y a des risques. Cet appareil a la possibilité lui-même automatiquement de vous changer les phases à la maison. Maintenant, esprit Oyo, côté ça qui na katsuana, au coma na dimension, il y a un peu de détails, nyonso, rôle na yango, na kanyonso yoko kuta anango. En fait, c'était comment? Au fanda qui yo moko bandiko, zaya qui suite yali kambo, moko nde, salaye ki okot. Et c'était comment en fait au coma na niveau wana? Parce que n'a kota na makanisi na yo nini memaki yo parce que on peut ça va différence et go kata courant mutako simba kanga mitesko nini au voyage ki ndenge na wo na location pesa na royal. Bon, tout ça c'est tout d'abord l'imagination, comme je l'ai dit auparavant que l'être humain a sa capacité ébélée. D'abord spirituel, tout ce que nous recevons comme idée, imagination, et ça d'abord tous à la gauche, j'ai 2 km va être développé. Même pas. On va introduction, développement, conclusion. Même pas. Voilà. Vous comprenez. Et donc vous recevez une idée, une imagination, non, par rapport à fait aux autres salama. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Le lot va inverser de ce automatique, vous avez d'abord mon néné. OK. Ça va loger tout ça dans ndako ka bandako. Et ça mon néné zo a combré peut-être l'Ibanda. OK. Et puis la puissance à monter. Et puis pour compléter rapidement, ils ont la puissance il y a 6 kilowatts. Waouh. Si quand on est dans mon pied, ils ont la puissance il y a 6 kilowatts. Moi, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Tu remets à ma solo, il y a ma création, car il y a des locaux, parce que moi, je suis ingénieur Gen, moi, en boka ingénieur Gen, au créer les bisous, avec le léopard, il y a Congo. Bah, les bisous, on dirait, en deux mots. Spécialement pour tout le monde, la mise en deux mots, ma canine, c'est vous qui au moins qui a bien dit les la robe de sa main, mais vous pouvez tout. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous créer ordinateur d'abord? Combo en a léopard et outina léo comme léopard, animal totem ya RDC. Pad c'est en anglais, pat donc empreinte. Ouais, je comprends. Le pas dit léopard.
Ils allaient pour qu'on empreinte yambo kanabiso dans le domaine numérique. Alors, ils allaient travailler à équipe, ils allaient travailler à mon côté. Nous étions. Maintenant, la cause à qui nous avons dit, voilà, nous sommes ici. Ils allaient fonder. Et, tous les qui les canis, en tant que Congolais, tout le monde a dit que c'est inconcevable. Mboka loko la biso. Tous les na ont union, ils ont concouru pour le développement électronique. Tous ont une marque spécifique et ordinateur. Tous les qui ont été concevoir et puis assembler ordinateur Leopard Oyo pour accompagner l'État dans la numérisation de l'institution et puis faciliter l'accès à l'éducation. Toujours la science. Toujours la science. Donc, Oyezali, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ce que vous appelez spiritualité haute. Oyezali, na domaine, il y a technologie. Donc, Oyezali, application et recherche scientifique. Que ce soit la logesse intelligente ou ordinateur, Oyezali, juste application, il y a recherche scientifique. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que parce que tu as dit Maître Avatar, Nalingi, Makambo, grâce à Zadamouni Pena apport, tu as dit spiritualité, tu as comprendre la mission Malamou, Namouni Pena apport, il y a spiritualité, la technologie, par rapport à Makambo, tu as. Alors, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra là, en deux mon avis, c'est la première partie, nous allons revenir encore beaucoup la Bourlembabiso, c'est-à-dire tous les jours pour comprendre un peu mon zindo, Maître Avatar, tout ceci, mais en deux mots, l'inokoy koloba, par rapport à Makambo et puis par rapport à la science et la technologie, rapidement à te conquérir. C'est le loco nakoy koloba na bakonzi, nzambe, ceux qui a pesi vision, a pesi rapé provision. Ce qui nous a mis à la biseau na ba richesse et belé na siama belé ba iranium ba or ba diamant, c'est à dire à yebike et sengeli tout à la super grande puissance. Mais ce qui le lot to donc le lot toi les alli peut-être faible les alli parce que toi les alli ont négligé biseau moko. Alors le moment est là et sengeli des fois quoi les consulter biso pour na quoi les mettre en valeur ba inventaire na biso et aussi quoi les poser pe alors les questions boyer en secret maître Avatar nini techniquement to ko sala pour na quoi mettre fin à la guerre to penine parce que il y a les alliés na ba secret susu balobakango toi alors les TVT surtout aussi et sengeli quoi ba que non Égypte c'est comme qui puissant parce que pharaon azaki en tête mais pharaon azaki na collège à ba sage et plus loin même Daniel azalaki parmi ba sage ba banaki au conseiller roi alors Nabucodonosor moko ndi akokio diriger kaka ye moko na ba ministre physique te et sengeli pe ba ministre pe spirituel pe sérieux. Donc vous insistez vraiment c'est là qui apporte aux armes. Casse ici une fumée. Mais ce qu'on a le mal il y a né qui est na Congo ceux qui ont coup fini ce qu'on va reconnaître valeur pour la Kimbango toujours les Arabongo pour l'Afrique. Merci. En tout cas mais est-ce qu'il y aura un numéro de contact pour pouvoir rejoindre équipe Oyo? Chacun leur a un numéro de contact. Il y a un gars Ezali 81 611 860 et 7. 81 611 860 et 7. Topé na Gmail pour ça un message. JP Manzolo Maître Avatar @gmail.com. Topé www.maitreavatar.com. Très bien. Numéro rapidement. Nous pouvons être contactés sur 085 01 70 787. Alors je vais rappeler à tous les téléspectateurs que vous messieurs que je vais mettre à Fata peut-être dans la profondeur mon sur le plus dit très scientifique tout le monde m'a comme fait son gamboka à mambo guindoki au mouta pumbaki azate. Alors tout le monde a bien sous parce que ma gambo tout le monde a bandé que vous allez vraiment profond il faut ma gonzamboka bachaka et puis baya on a appuyé ça. On a fini mesdames messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous savoir assez nombreux n'est-ce pas pour le compte de votre magazine TDBD à tout le monde malam peut tout le monde nion sommet nion sauté parce que maître dans ma gambo bela goloba de corrigan pas dans ma gambo ingénieur un peu réussi à ma gambo tout le monde a bino encore na mikolo ekoya boutique la malam bongo au ma boîte ma bino au revoir.